essayer aujourd'hui de vous faire un petit vlog de ma journée, même si mais je pense que je vais la faire sur plusieurs jours parce que ma journée ne sera pas suffisante. Là, on est le 15, jeudi 15 novembre. Il doit être 10h50 par là. 9h50, j'ai du mal. Je vais chez la kiné. Je suis déjà. Ce matin, j'ai déjà tout fait. Mon petit ménage, mon train-train. Je suis allée reposer un colis Asos qui ne m'allait pas. Et puis voilà, là je vais donc chez la kiné. Il faut que j'aille à la poste et j'aurais voulu faire 2-3 courses derrière. Mais je pense que je les ferai plus dans l'après-midi. Je vais voir, il faut que j'arrive à étaler tout ça. Et puis voilà, donc j'ouvre le vlog dans la voiture. Puis je vous emmène avec moi. Bon, je suis sortie du kiné. Je suis passée à la poste, à la pharmacie. Je suis épuisée, mais il faut quand même que j'aille faire 2-3 courses. Alors haut les cœurs, je m'accroche, j'y vais et je vous reprends. Bah, je vous emmènerai peut-être avec moi, je vous montrerai ce que j'ai pris. Voilà, à plus. Il y a beaucoup de choses pour le petit déj de mon loulou, donc je vais vous montrer. Alors déjà on a reçu un colis qu'on ouvrira ensemble. J'ai pris du pain, ce sera sacré. J'ai pris un panettone nature à Lidl, ils sont extra ceux-là. Ensuite j'ai pris des petites crêpes au chocolat. Je sais que mon fils de temps en temps aime bien avoir un petit dessert. Et puis j'ai pris des crèmes dessert au café. Pour son petit déjeuner, il a des tranches de brioche. J'ai racheté des gnocchis à poêler. Des lardons parce que j'ai un chou chinois à faire, donc je vais les faire avec. Et j'ai acheté des cafés latte cappuccino, latte macchiato light. Ça se boit froid et mon fils comme moi, en fait, on aime bien, même si c'est un peu plus compliqué pour moi en ce moment. Donc ça, c'est pour, voilà, c'était très rapide, c'était pour les courses. Je vais le ranger et je vous montre ce que j'ai pris à Action. Bon, c'est parti pour ce que j'ai pris à Action. Donc j'ai acheté des BN casse-croûte comme ça, c'est pareil, c'est très pratique et ils étaient pas chers du tout à Action, ça valait le coup. J'ai acheté, j'ai trouvé trop mignonne, une boîte Père Noël en fait, et puis ça fait un peu comme un culbuto. Dedans on y range des gâteaux, des trucs comme ça. Je l'ai trouvé super mignonne et puis je me suis dit je vais le mettre dans ma cuisine. Je vais le mettre là, là, là ou là-haut. J'ai reculé ma boîte. Pour l'instant, je la mets là, ici. Voilà, comme ça, c'est installé. Tout de suite, j'ai acheté deux boules, parce que je les trouvais très jolies. Donc, c'est deux boules comme ça. Je les trouvais pas mal, grosses,
sont un peu roses comme je veux faire mon sapin en rose. Et j'ai acheté, mais ça c'est pour un concours, je vais faire un lot, deux petits agendas 2019, un avec des fleurs, un avec des lamas, mais c'est pour les mettre dans un concours en fait sur Insta. Voilà, donc ça c'était pour Action, c'était très vite fait. Donc ben, je vais ranger ça aussi et puis on se retrouve après, je vais essayer de me faire à manger un petit quelque chose. Voilà, je prends. Là je vais aller sortir mon guise. J'ai pas la foi du tout de sortir mon fauteuil. Je suis déjà morte en fait, je suis déjà fatiguée. J'ai déjà un étage à descendre. Donc ben, je vais le mettre dans l'espace vert. Puis je vous emmène avec nous. Puis voilà. Tu attends. Attends, j'ai pas de force. Voilà. Tu attends, Gizmo. Gizmo. Allez, tu viens? Gizmo, allez. Gizmo est rentré de son petit tour. Donc avant d'aller me poser un peu, je vais ouvrir le carton que j'ai reçu aujourd'hui. C'est la Beautiful Box. Et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. J'enlève le carton. Non, Gizmo, c'est pas pourquoi. La boîte est assez jolie, je vous la montre. Voilà. Donc c'est une boîte en fait qui est composée que de produits bio et fabriquée en France. Il y a souvent des produits sympas et intéressants, donc on va voir ce qu'elle nous réserve, la boîte du mois de novembre. Oui, on est en novembre. Alors, ce mois-ci, on vous fait découvrir les 7 merveilles de la Beautiful Box au travers des 7 merveilles du monde moderne. Alors, nous allons voir. Alors, il y a toujours des petites cartes dedans qui expliquent les produits. Alors, il y a une grande bouteille de Christian Lénart. Soin des paupières, eau apaisante aux extraits de bleuet. Alors ça, c'est pas mal ça. Ça, franchement, ça fait partie des choses. C'est vraiment le grand format hein, en plus. Hein. Mais l'eau de bleuet, on connaît tout ça. Gizmo, ce n'est pas pour toi. J'ai un chien, dès qu'il y a un colis, il croit que c'est pour lui. Donc je vais lui montrer. Voilà ce que c'est. Tu vois, c'est pas pour toi. Donc de l'eau de bleuet. Alors ça, c'est cool, c'est pas mal. J'aime bien. Après, on a la marque Exalia. L'eau ultime bébé crème. Contour des yeux à l'huile de coco et à l'extrait d'orange. Voilà. Alors ça, je ne connais pas. C'est un soin contour des yeux. Il protège et donne un éclat naturel au contour de l'œil. Il camoufle les cernes. Effet bonne mine immédiat. Oh, bah c'est pour moi ça. Ça va être nickel. Ah, il y a un petit pinceau de la marque, Beautiful, qui est pas mal, qui doit être pour appliquer autour des yeux, puisque visiblement ça tourne autour des yeux. On a, alors attendez, je regarde ce que c'est. Une ombre à paupières, alors c'est donc, il y a le pinceau pour l'ombre à paupières, et c'est une ombre à paupières Beau Green Makeup. Je vais essayer de vous montrer parce que la couleur, il faut juste que j'arrive à l'ouvrir, ce qui n'est pas gagné. C'est d'un jour, c'est toujours. Ça va, ça s'ouvre pas trop mal. Je vais essayer de vous montrer. Ah, ils veulent pas qu'on l'ouvre. Il y en a deux, des petits scotch. Voilà.
Alors, je vais y arriver. Voilà. Oh, elle est jolie, c'est un beau prune. Je ne sais pas si sa caméra, ça rendra justice. Mais c'est un très beau prune. Oh, ça, j'aime beaucoup. Donc, avec le pinceau. Ensuite, on a contour des yeux éclat lissant de la marque Cadalis. J'avais déjà eu un produit de la marque Cadalis que j'avais bien aimé. Donc, toute peau. Donc, c'est bien, soin contour des yeux. Je vois qu'il y a encore quelque chose. Alors, il y a soit, alors, Compagnie des Indes, soie essentielle. Ça, c'est un masque contour des yeux. Donc là, c'est vraiment axé sur les yeux, la box de ce mois-ci. C'est un masque contour des yeux en baume. Extrait. Alors, je vois rien, j'ai pas mes bonnes lunettes, donc je ne vois rien du tout. Extrait d'arbre à soie et aloe vera. Bon, ben on va tester ça, ça ne me fera pas de mal. Et il y a un crayon noir. Oh, ça, c'est pratique, moi, ça me sert toujours. Un crayon noir pour les yeux et c'est de la marque Beautiful aussi. Ouais, ben c'est pas mal, j'aime bien. Moi qui ai besoin un petit peu, vu les cernes que j'ai, je trouve ça pas mal. Donc, ça, c'était pour la Beautiful. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir les box, comment s'abonner, etc. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Bon, bah maintenant, je vais. J'ai plusieurs choses à faire. Donc, je vais commencer à les faire. Et voilà. Et on va se retrouver un petit peu plus tard. À tout de suite. Alors, on est dimanche 18, il doit être 11h15 dans ces eaux-là. Je ne vous ai pas repris depuis jeudi parce que vendredi c'était journée off. Samedi, on est allé chercher le cadeau de Noël de mon fils avec mon père. Donc, je ne vous ai pas repris depuis. Aujourd'hui, je vais vous reprendre un peu. Je vous reprendrai un peu en cuisine parce que je suis en train de préparer une moussaka avec mon robot et je vous montrerai le résultat. Et je vais vous prendre avec moi aussi parce que je vais commencer les décos de Noël. Oui, je sais, c'est de bonne heure, mais moi, dès le 1er janvier, il n'y a plus rien dans la maison. Et puis voilà, donc je vais commencer les décos de Noël et du coup, je vais vous montrer. Je vais ressortir les choses avec vous et je vais vous montrer. Les décos ont été remontés du garage. Je vais sortir mes marionnettes, mes bougies. Dans le grand sac poubelle, on a le sapin qu'il faut que je sorte et que je bombe. On a guirlandes, boules et on a encore un sac tout au fond là-bas avec les dernières décos de Noël que j'ai achetées. Donc il va falloir que je déplace un petit peu les choses parce que mon appartement n'est pas non plus immense. Donc je vais déplacer un peu les choses et puis je vais vous montrer ma mise en place. Ce meuble-là, je vais enlever, il y en avait déjà que j'avais acheté, mais je vais enlever notamment cette bougie-là. Je vais laisser le calendrier de l'avant de mon chien. Je vais enlever, je pense, ces bougies-là pour laisser place aux décos de Noël et accrocher les chaussettes ici. Ici, je ne sais pas si je vais mettre quelque chose, si je mettrai peut-être une bougie. Je pense que mon automate, je ne sais pas encore où je vais le mettre, mais je pense que je vais le mettre par ici, qu'il soit bien visible. Bref, je vais vous montrer. Alors, on va commencer d'abord en rangeant cette bougie que j'aime beaucoup, mais qui est effectivement plus estivale, c'est une Bath & Body Works. Donc, je range avec mon stock de bougies. Je vais commencer par sortir d'abord mon petit automate, si j'y arrive. Mais je pense qu'il va falloir que je vous pose. Voilà, je l'ai sorti de la boîte. C'est mon petit automate. Il fait de la musique, mais je ne vais pas le mettre en route. Voilà. Alors, ce chien, tout ce que je sors dans cette maison, c'est des jouets. Ce n'est pas un jouet, Gizmo. C'est le Papa Noël, avec un petit ours qui sort, qui fait de la musique, mais je ne le mets pas en route, parce que sinon, c'est sans fin. Et je pense, je vais être embêtée. Je ne sais pas vraiment où je vais le mettre. Gizmo! Je pense que je vais le mettre là. Je vais déplacer mon cochon. Je vais le mettre ici. Je vais déplacer un peu mon vase. On va le mettre devant. Voilà, je pense que je vais le mettre là. Et mon petit cochon, exceptionnellement, je vais le déplacer et le mettre ici. Oui, et mon petit cochon.
Oui, comme vous le remarquerez, j'ai quand même pas mal de cochons chez moi. Voilà, c'est en rapport avec mon prénom, bien sûr. J'ai plein de petites bougies Père Noël, comme ça. Elles sont mignonnes, mais sans plus. Si celles-là sont mignonnes, elles sont... Voilà, donc je pense que je vais plus mettre les petites comme ça. Je vais en mettre qu'une comme ça, parce que voilà, je vais pas non plus... tout, donc les petites comme ça. Alors déjà on va ranger ici. Alors je vais laisser le haut ici. Ça, ah oui, ça j'ai dit que éventuellement j'ai dit que je pouvais le déplacer. Voilà, je vais peut-être faire ça. Je suis en pleine réflexion, hein. Vous suivez mes péripéties en même temps. Je vais faire ça et je vais mettre l'autre ici. Voilà. Ça me permet en fait de consacrer ce meuble-là. Et voilà. Du coup, j'ai cette petite déco-là. Celle-là, je l'ai achetée à Action pour moins d'un euro, il me semble. Ou peut-être pas un euro. Enfin, dans ces eaux-là. Bref, c'était pas très cher. Je l'aime bien, je la trouve mignonne. Et du coup, on va mettre en plus celle-là ici, comme ça. Et. Le petit Père Noël, il y en a un que je vais mettre ici, juste en haut. Voilà. Bon, ça c'est une première chose. Ça fait une boîte de vide. Maintenant, il va falloir que j'ouvre cette chose-là. Voilà, donc j'ai sorti. Placé
La neige n'a pas trop bougé et tout ce qu'il y avait sur le tapis, tout est parti nickel. Donc franchement, c'est cool. Bon, là, on est à contre-jour, c'est pas ce qui rend le mieux. Mais bon, je vais commencer. Je vais ramener mes guirlandes lumineuses et tout ça. Et puis, on va commencer. Alors, pour les guirlandes lumineuses, cette année, j'ai décidé de choisir des guirlandes là, que j'ai achetées chez Action à LED. Qui sont des. Donc, il y a 20 LED et ce sont des LED blanches. Que je vous montre ça bien. Elles font 2 mètres. Je pense que je vais répartir en haut et en bas. Et je vais remettre ma grande guirlande multicolore qui fait tout le sapin. Voilà, donc je vais partir là-dessus et puis je vous montrerai quand ce sera un peu avancé. Et voilà, allumé. Ça fait ça. Maintenant, on va camoufler tout ça avec les guirlandes. Et voilà. Non, moi, j'ai pas mis des guirlandes, j'ai mis mes boas. Je vous montre. J'aime bien parce que ça donne un aspect tout duveteux au sapin. J'aime beaucoup. Donc le mien, il sera principalement rose, rose et blanc cette année. Donc j'ai déjà fait ça. J'aime bien. J'ai peut-être juste réajusté la guirlande, le boa en bas. Et puis je vais commencer, je vais attaquer mes suspensions. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai rajouté. Il manque des choses, mais je vais les rajouter. Déjà, j'ai pas mis l'étoile en haut. Donc, j'ai mis ma petite figurine que j'ai achetée chez Jiffy, que je trouve beaucoup trop mignonne. J'ai bien tourné, j'en ai mis partout. Et voilà, je vous montrerai de nuit hein, ce que ça donne. Franchement, ça va. Bon, il faut que je fasse le pied. Je pense qu'il faut que je rajoute des choses. Je voudrais rajouter des choses roses. C'est trop clair encore. Mais bon, j'aime pas non plus quand c'est trop chargé. Mais là, il manque. Pour moi, il manque encore des choses. Donc déjà, voilà ce que j'ai fait. Je vais faire l'autre petit en bois que je vais vous montrer, qui va aller sur le deuxième palier. Et je vais finir de sortir ce qu'il y a à sortir. J'en mets une petite qui est fait. Ensuite, là, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je le trouve plutôt mignon. Girly. J'ai accroché ma petite étoile. J'ai accroché mon Père Noël automate qui fait de la musique aussi, qui a à l'âge de mon fils. J'ai accroché, donc j'ai remis donc mon automate avec ça. Et ici, j'ai accroché les chaussettes pour le Père Noël. La plus grande pour mon fils, moi et le chien. Voilà, donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là, côté déco. Je vous montrerai de nuit ce que donne le sapin. Et puis voilà. Voilà, donc je vous montrerai ce soir de nuit ce que ça donne. Je me recule pour que vous ayez un aperçu. Voilà. Et puis, ben pour aujourd'hui, après, je pense que cet après-midi, je vous reprendrai pas. Je vais me poser et me reposer. Et puis voilà. Donc, on se retrouve plus tard. On est le soir. Donc, je vous montre. Enfin, le soir, il fait pas encore complètement nuit, mais voilà, une partie des volets est baissée. Je vous montre ce que donne le sapin. Thank you.
Voilà les amis, je vous ai montré un aperçu du coup donc de mes décos de Noël. Oui, ne fais pas attention à ma tête. Là, c'est le soir, c'est dur. Les douleurs sont là, c'est un petit peu dur. Donc voilà, ben, moi je vais aller finir de préparer mon repas. Ah oui, je vous avais dit que je vous montrerai le... Je vais vous le montrer dans le four. Là, de moussaka. Donc ça, je pense que mon fils va en manger nettement plus que moi ce soir, parce que j'ai pas encore un appétit débordant. Mais bon, c'est pas grave, on va en manger un petit bout quand même. Le chien a presque fini sa gamelle. Il est là, il est content, il attend, il se dit il va bientôt sortir, alors il est content. Tu viens dire bonjour à tout le monde? Comment tu dis bonjour? Tu dis bonjour comment? Comment tu dis bonjour? Gizmo, comment on dit bonjour? J'ai pas dit donne-moi la pâte, comment tu dis? Oui, c'est bien. Voilà, je vais lui donner une petite friandise parce qu'il a été mignon. Et puis voilà, ben pour ce soir, je vais vous laisser là. Et je verrai en fonction de si je vous reprends un peu. Mais je pense que je vais arrêter le vlog là. Et puis j'en rouvrirai un autre pour faire toute la semaine prochaine. Voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt.